Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, ouverture de vlog très très rapide puisqu'il est midi 44 et que j'ai rendez-vous à midi 45 chez mes parents. Donc autant vous dire que je suis en retard. La batterie de mon appareil photo est en train de clignoter, donc clairement ça va couper. J'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui. On est samedi, Dadou est parti faire un milliard de trucs, il avait plein de rendez-vous. Et puis moi j'ai plein de choses à faire, donc je voulais vous prendre avec moi. Là je me tais, je fiche chez mes parents, je vais mettre mon appareil à charger et je vous retrouve juste après. Bon les amis, je vous retrouve, il est 15h, je suis dans mon garage qui est actuellement Tchernobyl. Je ne sais pas si vous pouvez voir mais il y en a absolument partout, c'est gros n'importe quoi. On était en train de trier le linge avec Dadou qui lui vient de rentrer, il est en train de se faire à manger. Voilà, il va manger à 7h parce qu'il avait plein de rendez-vous ce matin comme je vous disais. Donc là je vais terminer vite fait de mettre une lessive et tout, attendre que celle qui tourne termine, vous ne voyez pas très bien là je crois. Et ensuite je vais monter là-haut pour trier les papiers, j'ai reçu plein de choses que je veux vous montrer aussi que je me suis acheté. Et bah voilà, du coup c'est encore un peu la course là aujourd'hui, j'ai encore traîné chez mes parents, comme d'hab. Bon ça y est, je vous retrouve dans le salon, ma lessive est lancée, finalement un ami à Dadou est passé manger avec lui, aussi tard que lui, et on a un peu papoté et tout. Là je voulais vous montrer tout ce que j'avais commandé, ce que j'avais reçu, parce que c'est vrai que j'ai reçu plein de choses, j'ai commandé plein de choses, et dont des choses que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler. Voilà, je vais commencer avec mes petits bijoux, puisque vous étiez méga, ultra, giga, supra nombreux à me demander d'où viennent mes bijoux, notamment mes bagues. Alors celle avec la pampille, celle-ci, alors attendez j'en ai deux de l'autre côté, la petite juste là, là, celle avec la pièce par exemple ici, qui sont le focus toujours plus, voilà, qui sont magnifiques. J'ai aussi un collier que là j'ai enlevé aujourd'hui parce que j'ai mis mon bola, je vous en parlerai aussi après, et des boucles d'oreilles que j'ai mis dans un vlog ou une story Instagram, je sais plus. Et vous étiez méga nombreux à me demander à chaque fois d'où ça vient. Ça vient toujours du site. On a une petite mangeuse de croquettes derrière. Du site Who We Are. C'est un site que je kiffe depuis longtemps. J'avais travaillé avec eux il y a un an. Et là, bah, je leur ai proposé de reparler d'eux parce que, en fait, mes bijoux n'ont toujours pas bougé. Donc, j'ai reçu de nouveaux bijoux, ceux que je viens de vous présenter. Et vraiment, je les aime toujours autant. J'ai un code promo. Si vous voulez aller craquer, faites gaffe parce que vous allez clairement craquer. Il est, enfin, le site est, tout est trop beau. J'aime trop leurs bijoux. Ça bouge pas. C'est dans l'air du temps. C'est trop joli. Et voilà. Donc, vraiment, je les adore et j'adore leurs produits, donc je voulais vraiment en parler sur ma chaîne parce que bah, ça me tient à cœur et que quand j'aime des marques voilà, qui sont pas supra, méga, giga, ultra connues, bah, j'aime bien à mon petit niveau leur faire la petite promo que je peux. Et là pour le coup je vous conseille vraiment de leur faire confiance pour leurs bijoux et tout parce que c'est des bijoux de qualité qui sont super beaux, qui sont en plaqué or et tout, vous en avez en argent. En plus de ça, ils militent également pour des causes. À chaque paiement, vous avez une certaine somme qui est reversée à des associations et tout. Enfin, bref, tout le concept me plaît vraiment. J'adore cette équipe, j'adore ce site. Et donc, je voulais vous en parler parce que j'avais un code promo qui est donc le code double lu qui vous donne moins 20%. Voilà, je vous mettrai toutes les conditions dans la barre d'infos et tout, n'hésitez pas à les voir. Je vous mettrai aussi le lien des bijoux que moi j'ai pris si ça peut vous intéresser, si vous souhaitez les retrouver. Voilà, c'est à peu près tout pour mes bijoux et je vais vous montrer, mes colis sont juste là, donc je les regarde là, bah, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et hier, un petit peu avant même. Bon, vous n'êtes pas très droit, vous êtes actuellement sur une J-Well Candle qui est sur un plateau sur ma table basse. Mais bon, peu importe, juste là, vous avez la télécommande et une belle petite souris de cachot. Mais bon, peu importe. Premier colis, c'est un colis Amazon qui est juste là, je le prends. C'est tout simplement un film protecteur d'écran puisque j'ai changé de téléphone. Je me suis acheté l'iPhone XR. J'avais un iPhone qui fonctionnait bien, mais qui commençait à ramer et tout. Alors moi j'avais un iPhone, ça faisait je sais pas 4 ans, même plus, que j'avais le même. Voilà, je suis pas une surconsommatrice de téléphone, bien que j'aimerais l'être, enfin pouvoir l'être, parce que c'est vraiment mon dada, j'adore tout ce qui est informatique et tout, je pense que vous le savez. Bah, sinon je ferais pas de vidéo YouTube, hein, tout simplement. Mais voilà, j'aime les bons smartphones, j'aime les bons ordinateurs et tout. Et c'est vrai que là, ça faisait longtemps que je disais à Dadou, j'ai envie de changer de téléphone. Il me disait, vas-y, fais-le, fais-toi plaisir et tout, machin.
vas-y, fais-le, et puis je reculais, je disais non, là c'est pas bien, mon téléphone fonctionne et tout. Et puis en fait, bah, avec l'arrivée de bébé, je me suis dit, ça va être l'occasion de changer, puisque je voulais une plus grosse mémoire en fait, tout simplement parce que je pense que je vais le mitrailler H24 de photos. Voilà, et donc je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion. Donc là, j'ai pris l'iPhone XR et je me suis donc commandé eh bien, sur Amazon ce film-là, qui est donc un film intégral. Je voulais vraiment, parce qu'en fait, je m'étais commandé une coque avec un film dedans, une coque basique noire. Et en fait, le film est en verre trempé, il est très bien, mais il ne va pas jusqu'au rebord. Et moi, je voulais vraiment que la totalité de l'écran soit recouverte. Et donc, j'ai pris ce film-là. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, auquel cas ça puisse vous intéresser. Ensuite, j'enchaîne avec Octoly, où je m'étais commandé, eh bien, vous allez vous dire, elle nous parle encore de cette crème. La 8 Hour de chez Elisabeth Arden. C'est Elisabeth Arden, c'est une marque dont je vous ai toujours parlé parce que cette marque a une connotation particulière pour moi, puisqu'en fait c'est une marque que mon arrière-grand-mère utilisait, que ma grand-mère a utilisé. Voilà, et en fait cette crème là, c'est la 8 Hour, c'est une crème qui est miraculeuse. C'est vraiment la crème miraculeuse que je connaisse. C'est la meilleure crème au monde pour moi. Si vous avez des sécheresses, une cicatrice ou quoi que ce soit, en fait, une plaque d'eczéma ou un truc, enfin voilà, eh bien vous mettez un petit peu d'Elisabeth Arden dessus, enfin de la 8 Hour, et vraiment le lendemain vous n'avez plus rien. Voilà, c'est vraiment pour moi la meilleure crème cicatrisante qui défend la peau, qui tout ça, enfin bref, elle est tout en un et vraiment je l'adore. Donc là je l'ai recommandée parce que je la revoulais, parce que voilà, et puis je l'ai vue sur Octoly et je me suis dit bon bah il faut que je la prenne, parce que forcément ça me permettait de vous en reparler, de vous reconseiller à nouveau cette crème là, bien que j'aurais pu le faire sans, mais vraiment c'est une super crème, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est Elisabeth Arden, c'est une marque qui est davantage connue aux États-Unis, un peu moins en France, mais elle est, cette crème là est juste géniale. Si vous cherchez vraiment une crème miracle, et eh bien je vous conseille celle-ci parce que vraiment elle est canonissime. On passe ensuite au site de Beauty Bay, où je me suis commandé eh bien, ma réserve de Brody Vine de chez Nabla. Ce sont tout simplement, enfin c'est mon crayon à sourcils que j'utilise quotidiennement. Vraiment, j'avais un jour découvert cette marque, je sais plus, j'avais reçu des produits et j'avais découvert la marque Nabla. Et je dois avouer que leur crayon à sourcils, J'ai adoré, moi je le prends personnellement en teinte Neptune. Alors je sais, mes sourcils sont pas les plus beaux de la planète, je sais qu'ils sont pas réalisés à la perfection, épilés à la perfection, mais ils me plaisent tels quels et je ne me vois plus faire sans ce crayon là. La fois dernière j'ai été à court et j'ai été racheter mon ancien crayon que j'avais de chez Sephora, qui a d'ailleurs changé de formule et tout, et du coup ça ne me plaisait plus. Et le Brody Vine, vraiment je l'adore, enfin c'est un crayon vraiment que j'aime beaucoup trop. Donc moi je le prends en teinte Neptune, comme je viens de vous dire. Il est tout simple, hein, c'est un crayon rétractable et de l'autre côté vous avez un petit goupillon pour vous brosser les sourcils. Voilà, il a rien d'exceptionnel, mais vraiment pour moi il est exceptionnel parce que c'est pile poil la bonne teinte. C'est voilà, un petit crayon comme ça lambda, enfin un crayon à sourcils bateau, mais voilà. Et je commande toujours sur le site de Beauty Bay. J'en prends 3 à chaque fois, comme ça me permet d'avoir une petite réserve. Et puis en plus là j'ai commandé avant-hier et je l'ai reçu ce matin, donc super rapide. Je suis trop contente parce que j'avais peur d'être à court pendant les vacances, mais là au moins je suis rassurée, j'ai de quoi faire, je vais pas tout utiliser ni tout emporter, rassurez-vous. Mais voilà, vraiment c'est un crayon à sourcils que je vous conseille parce qu'il tient super bien tout au long de la journée et les teintes, en tout cas moi la teinte Neptune me convient parfaitement. Autre chose que j'ai reçue, alors que pas que j'ai commandé de moi-même, là les choses que je vous avais montrées c'est des choses que j'avais commandées, là ce sont des choses que des marques m'ont envoyées et j'ai reçu, alors vous aviez été extrêmement nombreux nombreuses surtout sur Instagram à me demander d'où venait mon bola que je porte donc autour du cou pour créer du lien avec bébé. C'est quelque chose que je voulais vraiment parce que je trouve que c'est très apaisant. Et puis bon, alors là derrière vous avez Cachou qui est en train de gratter le tapis d'entrée, c'est forcément le moment où je vous parle d'apaisement, de zénitude et tout, de création de lien avec bébé. Mais voilà, c'est une petite boule comme ceci. Personnellement je l'ai pris en or parce que je porte que de l'or essentiellement.
Voilà, pour ce qui est des bijoux, en tout cas autour du cou, c'est de l'or. Et c'est quelque chose que je fais rouler en fait tout simplement sur mon ventre pour créer du lien avec le bébé qui entend le petit son que le Bola émet. Et c'est vrai que quand je passe ça sur mon ventre, eh bien bébé a tendance à gigoter davantage. Et je trouve ça tellement mignon. Voilà, c'est un lien qui se crée avec la maman, ça rassure bébé, etc. Et puis bon, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et j'ai donc reçu ce Bola de la part de la marque Ilado Paris, qui est une super marque. Franchement, je suis pas du tout déçue. Le Bola est vraiment pile poil comme je l'imaginais. Je peux même le régler à la taille que je souhaite. Ils me l'ont envoyé dans une petite boîte comme ceci. Et il est accompagné de petits tatouages comme ça éphémères. Ça, c'est un peu moins mon style, mais c'est vrai que le Bola correspond tout à fait à mes attentes. Je suis vraiment ravie. Donc, comme vous étiez nombreuses à me le demander, à me demander l'origine de mon Bola, et bien voilà, sachez qu'il vient de chez Ilado. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on termine avec un dernier petit colis que j'ai reçu, enfin petit colis mais qui est très choupinou. Vous savez que je souhaite pas recevoir tous les colis de tout le monde de partout, voilà, il y a plein de choses que je refuse parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas besoin ou que je sais pertinemment que je ne vais pas m'en servir. Mais là, c'est une petite entreprise française qui m'a contactée et qui en fait crée des produits sur le bassin d'Arcachon, pardon. Donc voilà, ça s'appelle Écume d'Arcachon et je trouve que l'ensemble est juste trop mignon. Enfin, même les petits trucs comme ça à l'intérieur étaient trop chou. Alors, ils m'ont envoyé plusieurs produits. La première chose, c'est une crème vitale marine que je n'ai pas encore testée. Donc, je vais essayer de tester ça sur la longueur et pour vous en reparler ensuite. Mais voilà, le packaging, j'aime beaucoup. C'est très esprit bassin d'Arcachon, très marin, tout ça. Le focus ne se fait pas très très bien aujourd'hui, j'ai l'impression, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est une crème tout type de peau, jour et nuit, que je n'ai pas encore testée comme je vous disais. Il y a un petit parfum qui s'appelle Écume d'Arcachon, mais regardez-moi ça, c'est trop mignon. Voilà, là vous voyez peut-être mieux parce que le focus a décidé d'être capricieux aujourd'hui. Ils m'ont également envoyé une huile tout simplement pour essayer de détendre la peau de mon ventre et tout. Et c'est vrai que je l'ai utilisée tout juste hier soir. Et l'odeur, mais j'adore. Donc je vais pas vous la montrer là, mais parce qu'elle est là-haut, mais c'est la même, enfin c'est dans le même esprit et vraiment j'adore. Et avec, il y avait un petit cadeau qui était une attention que j'ai trouvé trop mignonne. C'est une petite cuillère pour en fait aller chercher la crème de jour qu'ils m'ont envoyée, mais c'est une petite cuillère en acre et elle est juste trop belle. Voilà, donc j'aime beaucoup et je trouve ça très chouette. À voir si ça fonctionne. En tout cas, la première utilisation de l'huile, j'ai beaucoup aimé. Je vous dirai à la longue ce que ça a donné, mais vraiment je trouve le concept très chouette. Et puis j'aime beaucoup ces petites entreprises familiales, locales et tout, et je trouve ça vraiment très très cool, très très chouette. Voilà, je me répète, mais encore une fois, si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil à leur site, à ce qu'ils proposent, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'est à peu près tout pour les colis reçus. Ça fait déjà beaucoup quand même. Ça fait bien trop longtemps que je parle, donc là je vais aller enduire le mur de la chambre de bébé parce que j'ai un petit peu d'enduit à faire là où j'avais des mollies. Enfin bref, des mollies, ce sont des vis qu'on met dans le mur. Avant j'avais d'autres choses, il faut que je les enlève et que j'enduise par-dessus. Bref, du bricolage quoi. Je suis pas sûre de faire ça à la perfection, mais en tout cas j'essaye. Et au pire des cas, je ferai allô dadou ou bien allô papa, j'ai fait une connerie, il faut venir réparer. Et puis et puis voilà. Bon, je vous retrouve dans la chambre du baby. Vous verrez pas tout parce que je veux pas vous montrer la déco encore, parce que je compte vous faire un room tour de la chambre, de la déco et tout. Là juste derrière, j'ai à nouveau remis mon petit meuble. Alors là vous voyez, c'était mes anciens petits cactus qui avaient juste là sur ce mur, donc je les ai posés là en attendant. Mais c'est un meuble que j'avais déjà ici, voilà, juste là à ma droite. Il y a ma table à langer, je vais vous la montrer parce que je vous avais fait suivre les étapes la fois dernière chez Leroy, donc des différents trucs que j'avais achetés. Et là il me reste, donc j'avais déjà réenduit là-haut, je sais pas si vous allez voir grand chose, les trous de deux anciennes mollies que j'avais dans le mur, et j'en ai une encore à combler là-bas que je viens d'enlever. Donc voilà, j'allais faire l'enduit et je vais m'atteler à enduire avec ma spatule. Voilà. Donc voici le petit trou, petit assez gros quand même, qui a été fait avec l'ancienne molly. Je viens de faire mon enduit et je vais essayer de combler ce trou tant bien que mal. On va voir, je suis pas sûre de réussir mais on essaye.
Bon, alors je rentre pas trop dans le cadre, mais je suis sur la pointe des pieds. Mais voilà, mon enduit il est fait. Moi je l'ai fait, franchement, la bricoleuse du dimanche, je l'ai fait dans un bol comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais en mettre un peu sur ma spatule et puis bah, je vais essayer de combler le fameux trou. Bon, allez, c'est parti. Qui ne tente rien à rien, hein. Bon, bah écoutez, le trou est bouché. Là, ça fait une petite trace que vous pouvez voir juste là parce que l'enduit est pas sec. Je vais en profiter pour faire les deux autres qui me restent là-bas et puis comme ça, ça sera fait et on verra une fois que ce sera sec. Je pense que je vous montrerai ça dans un prochain vlog parce que ça met du temps quand même à sécher et que après je dois réenduire parce que ça a tendance à se creuser un peu. Donc voilà, c'est les conseils de mon papa. Bon, allez, je vais... Non mais j'ai un total look là, on adore. Ça me va parfaitement. Bon voilà, ces deux là sont enduits aussi. Bon là ça fait, comme je vous dis, ça fait des traces parce qu'en plus j'ai passé un coup d'éponge magique. Donc j'attends que ça sèche et après ça devient vraiment blanc blanc blanc. Voilà, il faudrait aussi que j'enlève eh bien toutes les petits trucs que j'ai là, parce que j'avais mon mur de cadre ici au-dessus de mon bureau, parce que ça c'était mon bureau initialement, mais ça ne l'est plus du coup puisque j'ai tout enlevé. Vraiment là c'est Tchernobyl la chambre. Donc là j'ai replacé ce meuble ici et là vous avez la fameuse table allongée que j'ai fabriquée. Bon là vous avez mon Schmidblick d'iPhone puisque je viens de changer de téléphone et d'ailleurs il est là le nouveau. Voilà, il est vraiment trop bien et avec ma petite cachounette en fond d'écran. Alors voilà à quoi ressemble ma fameuse là ce sont des jouets que j'avais déjà qui appartenaient à mon filleul que j'ai déjà mis là quand il venait à la maison et des livres que j'avais également achetés depuis un moment. Bref, peu importe, donc ça c'est la table allongée, voilà, donc vous pouvez voir à quoi elle ressemble. C'est en fait là le plan que j'ai acheté avec le champ sur le côté, le fameux cube et tout, les deux tiroirs. J'ai acheté également ces poignées là si vous m'avez suivi, voilà, et les pieds et tout. J'avais également acheté une tablette pour pouvoir créer une niche en fait. Voilà, je suis très contente du résultat puisqu'en plus ça se marie. Alors c'est pas exactement le même bois mais il faut vraiment avoir l'œil dessus pour le voir. Voilà, donc là je vais enfin j'ai posé ça là parce que vraiment je suis en train de faire du tri, je vais vous montrer après, mais je trouve que ça ira très bien dans la chambre. En plus je laisse ce mur noir, il y a plein de gens qui me disent mais tu laisses ton mur noir. Mais oui, moi ça me plaît et ça ira très bien dans la chambre de bébé. Donc voilà, bon pour l'instant il y a mes cactus et un panier que j'ai trouvé là. J'ai également trouvé ça chez Action. C'est un truc, je vous montrerai ça parce que de toute façon je vais pas vous le montrer comme ça parce que je vais changer. Voilà, donc je trouve que ça se mariait plutôt bien, les petites poignées en rotin avec l'effet naturel et tout. Et puis là c'est vraiment la taille pile poil comme je voulais. Sachant qu'ici je vais mettre donc un panier allongé et non pas un matelas, juste le matelas en fait. Je vais mettre un panier allongé donc en osier et avec le matelas à l'intérieur. Donc bah voilà, je pense que ça fera bien. Bon, une fois qu'il n'y aura plus tout ce bazar mais voilà, franchement je suis très très contente de ma petite table allongée. Je l'aime beaucoup et bah du coup c'est aussi une fierté de se dire qu'on l'a fait soi-même. Franchement c'est plutôt chouette. Et comme je vous disais, eh bien, je suis en plein tri puisque je trie quoi, je trie. Je suis en train de tout ranger dans les placards. Ces placards-là, je vais les vider. Il y a même des trucs que j'avais achetés pour des copines que j'ai pas vues pour la naissance de leurs enfants. Enfin bref. Voilà, il y a vraiment de tout, c'est du grand n'importe quoi. Ça c'est un chariot que j'ai construit avec des livres. En fait c'est tout simplement une caisse de pommes, j'ai rajouté des petits trous et puis ça me fait un chariot à livres. Voilà, là il y a plein de papiers que j'ai posé dessus parce que je suis en train de tout trier. Mais voilà, il y a Madame Chat qui se la coule douce. Donc en gros j'ai vraiment pas fini mon travail là. Je vous retrouve en bas avec un petit chat qui s'accoule doux juste là. Gros bordel dans la cuisine. Voilà ce que je dois faire maintenant. Le lave-vaisselle est plein, ce qui fait qu'avec Dadou, on avait clairement la flemme de faire la vaisselle. Voilà, ça se voit je pense. Donc là, je vais essayer de passer un petit coup de propre parce que ce soir, j'ai ma sœur qui vient manger normalement. Voilà, donc bah, et même de toute façon, même si elle vient pas manger, je vais nettoyer. J'ai pas tout trié encore là-haut, mais j'ai bien avancé. C'est déjà ça. Allez, maintenant, je m'attaque à la cuisine et voilà.
Bon, après une petite demi-heure, voilà le résultat, c'est propre. Bon, il faut que j'essuie ça, mais flemme. Voilà, c'est rangé. Même là, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé par terre, j'ai fait mes escaliers. Il y a un petit bébé chat qui s'est levé. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Oui, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes très certainement au courant que ce petit chat a fait de la haute voltige à travers la fenêtre du premier étage. Voilà, donc ce qui nous a valu une soirée aux urgences véto. Voilà, Cachou, fort heureusement, n'a rien, mais elle poursuivait une mouche et a été persuadée qu'elle avait des ailes. Malheureusement, non, donc elle s'est retrouvée tout en bas. Et maman inquiète que je suis, j'ai préféré aller vérifier. Voilà, mais elle va très bien. Regardez-la, en pleine chasse aux mouches, comme d'habitude, pour ne pas changer. Voilà, bon, du coup, changement de sujet. Ce soir, ma sœur vient, mais avec deux copines à elle. Donc, on va se faire une assiette de crudité. Et je pense qu'on va bien rigoler. Voilà, donc je vais commencer à préparer. J'ai sorti les olives et le maïs. Et elle va me ramener d'autres trucs parce que j'avais peur qu'on manque. Donc, voilà. Ça va être une bonne petite soirée tranquille. Hola mes petits lus, je vous reprends. Il est relativement tard. Il est 1h01 très précisément du matin. Ma soeur et ses copines sont parties depuis un moment. J'étais tout simplement en train de locher sur le canapé puisque le ventre me tirait pas mal ce soir. Voilà, je pense que ça y est, bébé commence à prendre vraiment sa place. Et on dirait que je brille de mille feux là, mais c'est la lumière. J'ai pas compris, je comprends pas. Bon, bizarre, bref, peu importe, n'y prêtez pas attention. Et en fait, oui, je crois que bébé commence à prendre sa place, hein, petit à petit, voilà, il commence à grossir. Et il y a des soirs où le ventre tire quand même pas mal. Et là, ce soir, ça tirait bien. Donc voilà, une fois qu'elles sont parties, je me suis un peu allongée et tout. En plus, je l'avais pas senti bouger depuis ce matin. Ce midi peut-être. Et en fait j'aime pas, c'est vrai qu'au début je disais ouais mais non, les femmes s'inquiètent pour rien et tout, et en fait je suis exactement comme elle, je m'inquiète quand je ne sens pas bébé bouger. Donc j'attendais et puis là ça y est, c'était reparti pour la discothèque. Là encore je sens bouger, voilà, donc je suis rassurée. et donc ce soir on a passé une super soirée. Alors on a fait une assiette de crudités. En fait j'ai pas vlogué parce que vous savez, quand il y a ma famille ou des amis et tout, je vlog pas. On a fait une assiette de crudités. Ma soeur avait ramené des sneakers en dessert, des sneakers glacés à la noisette. Je n'en ai pas mangé. Ouais, j'ai pas mangé de dessert. J'ai sorti quelques petits bonbons qui sont encore là. Et j'en ai noté un ou deux peut-être. Mais voilà. C'est vrai que là, plus je mange copieux, plus ça me tire le ventre ces derniers temps. Donc voilà, j'ai mangé. Hein, j'ai mangé toute mon assiette, mais je me suis pas goinfrée. Donc il y avait ma soeur et deux amis à elle. Et après, on a fait un time's up. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri, franchement. Mais. Il y a eu un moment où j'étais morte de rire, quoi, parce qu'elle a vraiment, sa meilleure amie, c'est un clown, quoi, et mais j'étais morte de rire. Enfin bref, en tout cas, j'ai passé une super soirée, c'était très très chouette. Voilà, on a bien rigolé, ça fait du bien, en plus qu'entre filles, donc c'était chouette. Dadou, lui, est parti faire un poker ce soir, donc voilà, un poker entre amis. Et du coup, j'avais dit à ma soeur et ses copines de venir, donc c'était très très chouette, on a vraiment passé une bonne soirée. Là du coup, 1h du matin, j'avoue que ça tire un peu, je vais aller me coucher je pense. J'ai encore pas fini le tri là où il me reste 35 milliards de trucs à trier. J'ai encore une lessive à aller, bon le tri je le reprendrai ça demain, mais j'ai une lessive que j'avais étendue à aller détendre avant d'aller me coucher. Voilà, donc des tâches ménagères lambda. Et puis après je vais aller faire un gros dodo avec mon bébé chat. Voilà, qui est déjà là-haut sur son oreiller, juste au-dessus de moi, je suppose. En train de roupiller peinard. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Un vlog un peu en simplicité où je vous ai pris à la maison par-ci par-là. J'ai fait plein de choses, mais pas des choses super passionnantes. Mais en règle générale, vous aimez bien que je vous emmène dans mon quotidien. Et actuellement, c'est mon quotidien. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein plein de gros bisous. Ciao, ciao.